Je suis Vincent Bercovici, je suis directeur des compétences pour Securitas France. Je m'occupe en particulier de la formation des agents et du public encadrement. On a une nécessité structurelle d'avoir effectivement des salariés qui ont une maîtrise de la langue française, et c'est vraiment la raison pour laquelle on a souhaité mettre en place ces certifications pour nos salariés. Il y a une nécessité aujourd'hui d'avoir un niveau en langue française qui soit correct, à minima correct en tout cas. Et c'est donc tout naturellement qu'effectivement on a poussé ces formations pour permettre d'intégrer de nouveaux collaborateurs et pour permettre à nos collaborateurs pourquoi pas, de prendre des fonctions supplémentaires, en tout cas d'évoluer dans leurs fonctions. De plus en plus, nos clients demandent d'avoir un niveau en français qui soit à minima correct, hein, ne serait-ce que pour les rapports d'activité qu'ils ont à déployer auprès de leurs clients ou les mails qu'ils peuvent écrire en direct. Globalement, on a eu sur le panel de personnes interviewées, l'appréciation a été bonne ou très bonne pour 97% effectivement des participants. L'outil en général a répondu vraiment aux attentes, point de vue ergonomique, ludique, etc. Pour 55%, voilà, donc on a vraiment des retours qui sont finalement très, très positifs de l'outil. La maîtrise de la langue française en général, ça fait partie des qualités qu'on attend de nos collaborateurs. Et bien entendu que ça peut être un frein, comme ça peut être un accélérateur quand la maîtrise est bonne. On le voit, on a eu beaucoup, chez nous, on a une vraie culture de la montée en compétences de manière générale. Et effectivement, je pense que c'est un vrai atout quand vous savez écrire un mail correctement, quand vous savez écrire un rapport correctement. La plupart du temps, ça vient quand même de nos collaborateurs, de manière générale, avant tout, voilà, avant qu'on puisse le proposer. Mais c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qu'on a développé dans le cadre de la certification, une certification qualité que nous avons, que de pouvoir détecter les petites difficultés qu'il peut y avoir à l'entrée en formation et derrière de pouvoir proposer cette formation, enfin cette certification. Je pense qu'aujourd'hui, c'est devenu un indispensable pour pouvoir évoluer dans son métier, tout simplement. C'est devenu une vraie nécessité. Les compétences techniques, on va dire que globalement, elles sont apportées par les formations classiques et réglementaires qu'on peut avoir. Après, effectivement, c'est vraiment pour nos collaborateurs peut-être un moyen effectivement de se différencier et de pouvoir aussi évoluer dans leurs fonctions. On constate tous les jours ou presque des emails avec des fautes d'orthographe, des choses comme ça, c'est bien entendu quelque chose qui est plutôt défavorable à la bonne image. Mais c'est vrai qu'en termes de crédibilité, effectivement, je pense qu'une idée bien appuyée et bien écrite est toujours beaucoup plus efficace que quelque chose qui est effectivement mal écrit. Tous les collaborateurs hein, qui ont passé cette certification ont émis un avis positif sur la formation. Donc ça, il faut le mettre en avant. Ce n'est pas quelque chose qui est rébarbatif. L'outil, de manière générale, est satisfaisant dans son ergonomie. Ils ont tout intérêt à suivre la formation parce que c'est un vrai levier pour eux, hein, tout simplement. On a posé la question à nos collaborateurs qui l'ont suivi. Il y a 94% des cas. Il recommanderait la formation. Nous, en tout cas, c'est un vrai levier. C'est un vrai levier par rapport à nos collaborateurs. Et on ne saurait qu'il faut vraiment l'appuyer, quoi, hein, très clairement. Au-delà d'être un levier, c'est même une obligation pour tous de crédibilité, de monter en compétences, etc. Il faut vraiment pousser en ce sens-là, en tout cas.
Thank you.